Salut à tous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Dying Light. Donc c'est un jeu d'horreur avec des zombies. Déconseillé au moins de je ne sais pas quoi. Depuis deux mois, le monde entier a les yeux rivés sur la ville d'Arran, suite à l'émergence brutale d'un agent pathogène inconnu à ce jour. On ignore pour l'instant les causes de cette terrible épidémie. Sur place, le ministère de la Défense a érigé un mur dès le début de l'épidémie et placé la zone en quarantaine. Le groupe de ravitaillement et d'entraide largue sur la ville du matériel destiné aux rares survivants. Malgré l'intention affichée du GRE de soutenir la population piégée dans la zone jusqu'à ce qu'un vaccin soit mis au point, le ministère de la Défense a annoncé pour sa part vouloir raser entièrement la ville afin d'éradiquer le virus d'Arran. Mais on s'interroge, y a-t-il encore sur place des survivants non infectés, comme l'affirme le GRE? Le ministère va-t-il bombarder la ville? Le cas échéant, mettra-t-il à exécution son plan consistant à raser la ville afin d'essayer d'éradiquer définitivement le virus d'Arran? Une seule chose est sûre, quelle qu'en soit la cause, virus ou action du ministère, les jours d'Arran sont comptés. Ok. Ok, appuyez pour démarrer. Allez, c'est parti. Jouer la campagne. Nouvelle partie. Et c'est parti, je vous laisse encore avec Début du briefing. Information sur le sujet. Kadir Suleiman. Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Suleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Information sur le sujet, le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait là, un nombre impressionnant bouger de victimes. Pas Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman et repérer le dossier volé afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Là, je peux toujours rien faire, c'est encore la cinématique. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Faites-lui une jambe et conduis-le à Rice. Reculez! Tous! Non! Le bruit les attire. Okay. J'aurais pas dû faire ça. Tirez-vous! Ouais, les bruits de zombies. Tirez-vous! Il y a des amis, vite, je sais pas qui faut qu'on file. On le dégage de la rue. Allez, go, 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 go. Ouvre la porte. Ah! Ah!
Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde! Amir est blessé! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien. Ok. Ville d'Aran. Vas-y, toi. T'as la trouille. Même pas vrai. Alors pense-le. Il a bougé. Quoi? Il a encore bougé. Et si c'est un zombie? Faut pas rester là. Ok. Ok, là on se réveille. Ok. Merde. Ma tête. Ok. Donc c'est parti les gars. Hop, bip, hop, hop. Ok, donc là avec R1 on peut sauter. Et je m'enfonce dans le noir là. Ok. On peut aller là. Comme une souche pendant 3 jours, puis tu fais peur aux gosses. Bon début, 31. Où je suis? Au paradis, ça se voit pas. Okay. Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un tour. Ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. Ok. 31, c'est ton numéro. D'accord, merci. C'est-à-dire? Ton numéro. Tu es le 31e infecté. Je suis la 18e. On compte tôt ici. Une dose d'antisine en moins. Un nouvel infecté. Un train. D'accord. 31 infecté. Et plus que 7 traces. Oh! Avec X, on peut faire quelque chose. Je pense que c'est pour les zombies, pour aller voir de plus loin. Amir est mort. Tais-toi. Si je veux. Maintenant, c'est lui qui aura l'antisine d'Amir. Bonjour les gars. Bah, au revoir. On se fait éliminer les uns après les autres. Ok, let's go. 190. Bonjour. Moi j'ouvre. Hein. Bim, bim, bim. Alors, 5 cambriolages, 5 cambriolages. Bam, bam, t'es où? T'es là. Ok, vas-y, viens. Hey, je cherche. C'est toi le boss? C'est quoi le problème? Je suis trop jeune, c'est ça? Non, je... Tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Brecken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. Ok. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antisine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer, s'il te plaît? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien, prends-la. Merci, tu sais quand pourquoi même. Les traceurs risquent leur vie? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antisine destinée à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. Okay. On n'aime pas les feignants, ici, dans la tour. Hé, hey, c'est injuste.
Je suis pas feignant, je... Hé, hey, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raïm. C'est Brecken qui commande ici. Ok. Allez voir le... non. Je suis pas feignant. Trouver le survivant perdu au 13e étage. 13e étage. Tu connais celle-là? Que dit un zombie à un rencard? Bon sang, ça suffit, les blagues débiles. Oh, les blagues. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Devine. Les merdes. D'accord, ok, je sais pas. Qu'il aime les femmes qui ont du cerveau. Ouais, mec, t'es un génie. Ok, si c'est... T'es nul. C'était nul. Attendez, il est où le 13e étage en fait? Non, il est là-bas. Je suis dedans. Bah. Le 13e étage, je suis au-dessus là, là en fait. Là, il n'y a rien. C'est bizarre. Peut-être aller de l'autre côté, bam. Le 13e. On était dessus, mais... Ah, peut-être par là. Ok. Oh, c'est là. Où tu vas comme ça? Au 13e étage. Je dois rapporter un truc à Raïm. Le 13e. Ok. Ah, merde. Tu parles d'un sale boulot. Bah, tout le monde doit faire sa part, hein. Ok, merci. Tu me laisses rentrer. C'est parfait. Oula, la vache. Il y a eu combien de morts ici? C'est très bizarre. Me dites pas qu'il y a un bébé dedans. Non, c'est bon. Okay. Ici Crane. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose, j'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antivine toute seule. À l'aide ! À l'aide ! Au secours ! Qu'est-ce qui se passe ? Y'a. Pourquoi déjà j'ai ça ? Ok. Ok, y'a un point orange. Pourquoi y'a. C'est quoi ça? C'est quoi? Wow. Au secours. Tiens, prends. Prends. Tiens. Okay. Eh, hey, ça va, vieux? Je me suis coupé en lui échappant. Ok. Merde! Vous avez dû le tuer, hein? Oh, bon Dieu! C'était mon frère.
Bah oui, c'est un zombie. Je suis hein. là pour le voir. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Raïm, ici Crane. Je suis au 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde. 31 ? T'as suivi Marc ? Est-ce que les lieux sont sûrs ? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis à Léna de descendre. Prenez soin de Marc. Il est où ? Ah oui, il est là. Bouge pas. Léna devrait pas tarder. De la gaz. Trouve de la gaz. De la gaz. De l'alcool. Et de l'alcool, mais... ok. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi. Essaie de rester calme, d'accord ? Je reviens tout de suite. Ok, c'est parti. Faut trouver de la gaz et de l'alcool. Oh, punaise. Ok, c'est là. Il y a des trucs là. Ok, donc dans les pièces oranges, il doit y avoir bah, soit l'alcool, soit... Soit comment, soit la gaz. Là on peut pas. Y a rien là-dedans. Non. Même ici y a rien. Là non non. Rouleau adhésif. Ok, bon ben on va aller chercher là. C'est une pièce orange. Ok. Il y a un frigo. C'est quoi ça ? Boîte de conserve. Ok. Là, un placard. Ah ouais, là-dedans. Oh. La gaz. Le gaz. La gaz. Ok, donc cette pièce, elle est faite. Celle-là, on l'a déjà faite. Donc je vais aller là. Là, il y a une pièce. Ok, là il y a un frigo. Oh, alcool, bon, allez hop. C'est tout ce que voulait Marc. On va essayer. Il est où déjà ? Peut-être bien. Ah oui, là. Ok, au menu plan. Fabriquer. Ok. Kit de soins, parfait. Utiliser. Bon, qui est blessé ? Il saigne pas mal. Laisse-moi okay. voir ça. De la gaz et de l'alcool, basique, mais ça ira. Ok, merci. Je m'occupe de la suite. De rien. Et du coup... Ah non, c'est pas encore terminé, hein. Ah si, c'est bon. Bien joué, 31. Ok, merci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, salut.